Victoireville Tenga et bienvenue sur votre programme spécial TLO. Avant de commencer, cette information qui vient de nous parvenir. Ce matin, la digue du barrage de Ponquito s'est effondrée. Malgré les dégâts importants, tous les riverains sont sains et saufs. Pendant que le phénomène d'Afrogame continue à prendre de l'ampleur, rappelons qu'un Abasga est organisé pour la visite du roi à Villetenga. Ce sera un Afrogame à ne pas manquer. Autre information, les gorilles de Drogodo lancent un défi. Il est hors de question que vous participiez au Abasga. La régionale est dans un mois et je vous veux prêt à 100%. Au fait, où est Chakao? Son visio-com ne répond pas. C'est bizarre. Viens, tu dois filer. Alioune, tu t'occupes de l'entraînement. Les amis, je suis convoqué au palais. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as l'air si triste? Il doit accomplir son passage. Quel passage? Le rite de passage des princes. Des épreuves que le premier fils des grandes familles royales doit subir. Ouais, ça fait plus de 300 ans que notre famille n'a pas eu un prince héritier. Donc tu nous laisses? Non, pas encore. Le prince choisi ne commence qu'à 17 ans. Enfin, si c'est moi le prince choisi, je ne veux pas être roi. Pas dire ça à haute voix dès. Tu sais ce qu'on pense, papa. Ngao? Ouais, c'est pour l'honneur de la famille, c'est ça, blablabla. Et quoi encore? Hé, hey, tu ne veux pas être le prochain roi? Mes yeux, tu vas passer cette épreuve et moi, je serai le meilleur ami du roi. Pourquoi toi-même tu es comme ça? Tu ne penses qu'à toi seul, c'est quoi ça? Tu ne veux pas être l'ami d'un roi? Être roi n'est pas si amusant que ça. Tu veux ou tu veux pas, t'as pas le choix. Depuis que tu es né, papa te prépare pour ça. Hé, hey, il faut vraiment que je parte. Moi, j'ai plus envie de m'entraîner. Allons sur Chakao. Je me demande ce qu'il nous donne. Hé hey, les gars, mon beeper ne marche pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Par ici. Le barrage a cédé et a inondé toute la rive. Nos champs sont perdus. Mais on est la seule famille à voir la maison détruite. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que vous allez faire? Papa dit qu'on va aller au village. Quoi? C'est pas possible. Le village? N'y a-t-il pas d'autre solution? Avec tous ces dégâts, on ne pourra jamais tout reconstruire, même si on vit 3000 ans. Merci pour l'aide. À plus. Je passerai te voir demain. D'abord, Tunga. Et puis Chakao. C'est pas possible. On n'a plus d'équipe. Toi, tu ne vois que l'équipe. Et le fait que tes amis ont des problèmes. Mais les régionales sont dans 2 semaines. En tant que capitaine, oh, capitaine, je me dois capitaine. De... Tes amis partent, ont des problèmes et toi, tu ne penses qu'à la compétition. Si j'étais la reine, je te promets que je te bannirai. Il n'y a pas de reine à Vitenga. Si. Y a pas. Si. Y a pas, jamais. Oh, tu verras. Un jour, le roi sera une reine. Le roi? C'est quoi le prix du Nabasga? Le gagnant a le droit de demander ce qu'il veut au roi. À moi la pince, t'es la meilleure. Hé, hey, t'as quoi soudain? Chakao doit rester ici jusqu'au Nabasga. De quoi vous parlez? Le Nabasga? Pourquoi pas après les régionales? Ah, pourquoi j'ai pas pensé à ça? Mpayeli, parce que t'es une tête de mule. Mais la couronne nous a interdit de le faire. T'inquiète, je m'occupe de ça. Yassi, tu nous inscris au tournoi? Ce beeper là même va me rendre dingue, si c'est pas déjà fait. On n'a pas d'adversaire à craindre. Surtout que ces vauriens d'Afro Team ne seront pas présents. T'es sûr? Ces gars-là, ils sont forts pour les mauvais sujets. Ah, ils m'énervent ceux-là. T'en fais pas, je sais de quoi je parle. Oh, j'imagine déjà sur ma moto une off-bike 5000p de Camo. Oh, le glisseur X9, ça terrasse ton 5000p, man. Oh. Une X9 avec une... Chers habitants de Villetenga, à l'honneur de la visite de notre roi, j'ai le grand plaisir que... Et maintenant, je déclare ouvert le Nabasga. C'est bientôt notre tour, les gars. Super! Et pour la coro? Pas de blême, je m'en occupe. Bonjour, madame. Votre invitation, s'il vous plaît. Et ça, ça suffit? Un instant, s'il vous plaît. Devinez un peu qui je viens de rencontrer. Qui ça? Cette sorte de Yassi. Bon, Bouba, veille au grain. Vous obéirez à ses ordres. Bien, chef. Si ça chauffe, plan B. Ah, voilà ma journaliste préférée. Que puis-je faire pour vous? Mais vous m'avez envoyé un message. Message?
Ah, le message. Oui, oui, allons dedans. La cérémonie va commencer. Monsieur le maire, elle n'a pas d'invitation. Capitaine Sangourou. Présent. Vous aimez votre boulot, n'est-ce pas? Affirmatif. Je crois qu'on recrute des vigiles à la mairie. Ça vous tenterait? Bien reçu, monsieur le maire. Aline au milieu, Bouba et Nassou. À toi. Va chercher, allez, va. 1, 2. Bravo. Mais. Aïe, 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 aïe. 9, 10, chrono. Place au prince numéro 4. L'épreuve de sagesse. Selon vous, que représente le roi? C'est l'autorité suprême. Et qu'est-ce qu'un bon roi alors? Un roi qui a l'écoute de son peuple. À toi, Mimi! Et hop là! C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui vous arrive, bande d'idiots? Une jeune fille de sang royal a été sélectionnée pour cette partie de l'épreuve. Si vous êtes roi et que je suis la reine, que feriez-vous? La moitié de mon royaume pour vous. Des rivières de diamants. Toutes les richesses de mon royaume. De grands banquets et bals tous les jours en ton honneur. Je ne sais pas moi. Ils ont tout dit. On vous attend, prince numéro 4. Si tu étais ma reine, je t'offrirais mon cœur. 1, 2, 3. Il faut marquer ce point. 9, 10 chrono. Nassourou, t'as pas du tout essayé de me faire tomber. Aïe, princesse. Essaie de me laisser conduire. Pas question, n'y pense même pas, je conduis. Ça va commencer. Position. Tu t'es occupé de la corolle? Ouais, j'ai programmé mon beeper. Pourquoi? Ton beeper? Ouais, mon beeper. Oh oh. Takao, tu dois me remplacer. Quoi? Et surtout, garde le feu. C'est pas. Charmant qu'il attend plus loin. Ok, d'ailleurs, on va faire du pied deux coups. Comment? Laisse faire les coups. C'est tout ça que Koumé n'aime pas. C'est bon, lui. Désobéi. Vous me décevez. J'ai bien battu ton concours. Quoi? Je t'ai dit de faire tout foirer, non? Qu'as-tu fait comme ça? Mais tu m'as dit de gagner l'épreuve. Rate l'épreuve, j'ai dit. Rate! En plus, on n'a même pas fini la course. Je suis désolé, Chakao. Et à cause de lui, je risque d'être roi. Je n'ai plus de maison. Et ce qui t'inquiète, c'est qu'un jour tu pourrais être roi. C'est bon, j'abandonne. Niemi, Kwanga. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Les autres n'ont pas pu réussir l'épreuve de ce matin. Et je ne peux plus rien demander au roi. Nous irons certainement au village. T'en fais pas, nous aurons notre palais aussi. Qui a besoin d'amis? Dernier round de ce Nabasga, c'est la très attendue course de l'âne en présence du roi. On a des duos, et mais qu'est-ce que je vois? Il y a un courageux pilote qui compte y aller seul. Ben ouais, c'est le Nabasga et ça peut aller. Si seulement tu savais ce qui t'attendait. Ah, tcha! Chakao, c'est croisé, fini!
maintenant. Hé, hey, tu dis d'avoir un copilote? T'as pas un royaume à perdre, toi? Si, mais mes amis ne sont pas à perdre. Allez, voilà. Je compte sur toi. Comme toi. Félicitations. Naba, on aimerait bien que la maison de notre ami Chakao soit réparée et que leur chaleur soit donnée. Mon fils, ta demande est sage et je te l'accorde. Le prince sélectionné est le numéro 4. Veuillez vous démasquer. Félicitations, prince Kunga Naba. Tout semble aller bien, sauf pour Kunga, qui ne veut toujours pas être roi. Mais peut-être trouvera-t-il bientôt une bonne raison pour accepter sa destinée.